Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très émue. J'ai passé un excellent moment en présence des frères et sœurs dans l'amour en Christ. Les trois jours que nous avons passés avec notre bien-aimé Eloge Ekissi étaient vraiment formidables. Les moments de parole m'ont vraiment touchée. Je me suis sentie concernée et j'ai compris qu'avec le Seigneur, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Je comprends le sens de le royaume des cieux et forcés, ce sont les plus violents qui s'en emparent. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment par sa grâce. À bientôt, j'espère. Et un jour, on priait et puis Dieu a donné une parole qui va libérer tout. Que celui qui n'a jamais péché lance la première prière. Bonsoir et shalom, shalom, Chris. Quel est ton témoignage? Mon témoignage? Alors, j'ai rencontré, Dieu m'a envoyé Eloge par le biais d'une sœur, le jour de mon anniversaire. Merveille. Voilà. Comme disent les jeunes, j'étais au bout de ma vie, pourtant je priais beaucoup, énormément. Je suis là parce que c'est dans l'année de mon anniversaire, mais c'est aussi ce que j'avais demandé à Dieu et il a exaucé. Gloire Amen. À Dieu. Gloire à lui, gloire à Dieu. Et je suis là et je fais toutes ces prières, je les envoie à mes patients et il se passe des choses extraordinaire. Le Seigneur agit et élevé volinto, c'est oui, ce qui se passe dans ta ça. Vie et dans la vie de oui. tes patients. Oui, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Ah ouais, parce que là, il y a eu des choses extraordinaires. J'en ai des frissons partout. C'est merveilleux. Ton témoignage est merveilleux. Que toute la gloire revienne au Seigneur et qu'il continue de te bénir. Et merci pour ce séminaire. Et merci à vous aussi. Merci pour ton témoignage. Il y a un qui te bloque à cause de ce que ton papa fait pour moi. Je vais te dire que celui dont les parents n'ont jamais péché me lance la première pierre. Bonjour à tous, moi c'est Kadi, je fais partie du groupe, on peut dire, Océan de Grâce. Donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de rencontrer le prophète Eloge Ekissi. Et c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir partager ce moment avec ma grande sœur Aminata et ma mère Elisabeth. Si vous n'êtes pas là, c'est une vraie erreur, hein. Vous aurez vraiment dû être présent. On a passé un moment formidable, un moment où j'ai senti la présence de Dieu, autant dans l'atmosphère que voilà, dans la chaleur des gens, des personnes, des croyants qui étaient là. Et Dieu va faire des miracles dans ma vie. Et vous, qu'attendez-vous? Ne serait-ce qu'une journée, tu dis, loué soit l'Éternel. Bien aimé, dans la journée, tu dis seulement, loué soit l'Éternel. Tu seras étonné. La Bible dit qu'il ne cherche pas des gens qui ont des problèmes. Il ne cherche pas des gens qui ont besoin de quoi manger. Il ne cherche pas des gens qui cherchent à qui expliquer leurs problèmes. Il cherche alléluia, des vrais adorateurs. En fait aux prières que le Seigneur m'a délivrée, donc j'ai eu la grâce, l'opportunité d'être guidée, d'avoir rencontré les frères Eloge et aujourd'hui ma vie a changé. Je m'appelle Déborah et je prophétise que je suis une vraie Déborah au nom Amen. De Jésus. Amen. Ah oui, je suis guérie. Laura a été bénie par Dieu. Il y a eu un miracle, mais on va garder ça pour nous seuls. Voici sa maman. Salut sa grand-mère, pardon. Soyez bénie. Voilà, c'était le témoignage de Déborah, de la maman, de nous accompagne et on se reparle dès que possible, ok? Amen. Bonsoir et bienvenue au séminaire. Quel est votre nom, madame? Amour. Vous vous appelez Amour. Et ce soir, vous avez un témoignage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie au travers du ministère du frère Eloge Ekissi? Depuis que j'ai commencé à suivre le frère Eloge Ekissi, il ne passe pas un jour où je ne vois pas les choses différemment, où il ne se passe pas, une ouverture, où
Dieu n'agit pas. Il agit tous les jours. Amen. Il agit tous les jours. Et chaque jour, moi, je me réveille. À chaque fois, je suis étonnée, je suis émerveillée par ce qu'il fait. Et je n'arrête pas de lui dire merci. Merci, je lui demande de continuer à bénir le frère Loge. Parce que je pense que si je n'avais pas rencontré le frère Loge, je lui demande de bénir aussi la sœur qui m'a mis en relation avec le frère Loge. Si je ne les avais pas rencontrés, je crois que ma vie aurait été foutue. Si tu connaissais le secret, il y a deux mots. Two words. Deux mots. Just two words. Que si tu prononces tous les jours de ta vie, Dieu interviendra, même s'il n'a pas envie d'intervenir. C'est pour ça que j'ai dit merci à la chorale. Parce que la chorale est une force de l'église. Les deux mots sont Hosanna au plus haut des cieux. Et le deuxième mot c'est Loué soit l'Éternel. Oui, et quelle grâce en fait, elle vous avez pu rencontrer le ministère du frère Eloge au travers de YouTube et au travers de Sylvie qui est en Guyane. Exact. Est-ce que vous avez à cœur de nous dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie, plus précisément, pour que toute la gloire lui revienne? Ben, en toute franchise, je vais dire très franchement, j'avais tendance à être souvent aigrie. Bien que je suis de nature, je dirais, optimiste, mais j'avais tendance à être toujours aigrie. Et puis, depuis que j'ai commencé à suivre le frère Loge, à écouter ses enseignements, à faire les prières, particulièrement celles qui sont dans ses livres. J'ai constaté que de moi-même, progressivement, j'ai commencé à changer. Vous avez eu ce que l'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Quel est le livre qui vous a le plus inspiré, que Oula. Vous avez lu, et du frère Loge? Né pour combattre le diable. Amen. Amen. Et puis, comment prophétiser? Oui. Ces deux-là, oui, j'avoue. D'ailleurs, je les ai tout le temps avec moi. Ça fait partie de votre quotidien et c'est exact. Votre respiration. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, amour. Que toute la gloire et la grâce soient rendues au Seigneur. Amen. Merci. Il est grand, il est bon et il est puissant. Amen. Merci. Amen. David dit, je m'écris. Tu peux répéter avec moi. Je m'écris quoi? Loué soit l'Éternel. Il dit en même temps qu'il crie en disant, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Il n'a pas dit je combats. Il n'a pas dit je sors l'épée. Il dit je m'écris. Loué soit l'Éternel. Je vais entendre quelqu'un dire loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Hosanna. Au plus haut des cieux. Témoignage autour du frère Eloge Ekissi et de ce séminaire plus particulier Élevez vos linteaux. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Alors, Élevez vos linteaux, oui, le Seigneur a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est vrai que je priais, mais c'est vrai qu'en écoutant M. Loge, en voyant ses prières, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, parce que je ne savais pas prier, je ne savais pas comment prier. Et en écoutant M. Loge, il y a quelque chose, ça a changé quelque chose dans ma vie, ça a bouleversé ma vie, et voilà quoi. Et que du positif en fait. Cela remonte à combien de temps ce changement? Cela remonte aux environs de 2 ans à peu près, 2 ans. 2020? Parce que je disais bien que je priais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas. C'est pas pour critiquer la religion catholique, je ne veux pas critiquer la religion catholique parce que moi je suis catholique. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas. Et en écoutant M. Loge, ça a transporté ma vie, ça a bouleversé ma vie, ça a bouleversé mon cœur. Je sentais que c'était plus profond. Les enseignements vous ont apporté des réponses. Bonsoir, quel est votre nom? Mon nom, c'est Danse Suzanne Flavie. Danse Suzanne Flavie? Oui. Et vous êtes originaire de quel... Du Cameroun.
Bien. Comment, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous au travers du ministère du frère Eloge Ekissi? Ben, j'ai connu le prophète Eloge par ma cousine qui m'a mis en contact avec lui parce qu'à l'instant, je venais de perdre mon grand frère qui était mort par empoisonnement. Et en fait, j'étais perdue et elle m'a parlé de frère Eloge. Et j'ai commencé avec lui, mais c'était vraiment une guerre que je ne pouvais pas, que je ne savais pas. Donc j'ai eu beaucoup de... Rapprochez-vous. Il y a combien de temps que vous suivez le ministère? Un an. Depuis, oui. 2021, donc. Voilà, et ça. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez ces enseignements? J'ai reçu beaucoup de délivrance avec lui. Parce que moi, comme je travaille, je suis indépendante. Donc, quand je finis le travail vers 20h, je me repose un peu 2 heures et je prends souvent ces prières de minuit peut-être jusqu'à 4h du matin. Ou... Vous le suivez donc en direct je chaque jour? Je le suis en direct ou bien je le prends en rediffusion, quoi. Donc, oui, parfois, je fais les nuits de prière avec ces prières. Continuez depuis, quand même. Depuis que vous suivez le frère Eloge Ekissi, vous voilà. Comprenez les réalités spirituelles. Oui, en fait, il vous a nourri et vous comprenez davantage, oui, et beaucoup ça. Mieux le monde spirituel. Oui. Et un jour, j'ai pris pour prier contre le python. Donc, en prenant... L'extrait du livre, Né pour combattre le diable. Oui, j'ai l'extrait du livre, Né pour combattre le diable. J'ai les rêves, les mauvais rêves, en fait, j'ai tous les livres de Vous frère avez Eloge. Tous les livres j'ai du frère Eloge. J'ai tous les livres de frère Eloge. Et j'en ai même acheté pour ma famille aussi. Vous les offrez. Oui, pour les offrir, pour essayer de prier aussi, quoi. Bonjour frères et sœurs, bonjour Papa Eloge. Le rendez-vous à Paris a été une très grande satisfaction pour moi, satisfaction spirituelle surtout. J'ai vécu en direct ce que je vis en ligne et prié pendant 3 heures de temps debout, 2h30, en tout cas ça a été une expérience merveilleuse pour moi et ça a augmenté encore ma foi et le fait de me rapprocher de Dieu. Je dis merci au Seigneur et à Papa Eloge.